Le secteur de la tomate séchée, c'est un secteur qui fait un effort كبير. Effort كبير parce que les avantages qu'on a en Tunis برشا. Je m'appelle Ali Siela, donc je suis dans le secteur depuis 1994. Nous avons la tomate séchée, nous avons l'artichaut, nous avons plusieurs produits. La tomate séchée, c'est un des produits les plus importants dans la gamme. Donc, je vais vous dire un peu par rapport à ce qui existe sur le marché. Nous avons fait beaucoup de marahl, comme les gens, nous avons fait une marahl semi-fini, le vrac. Nous avons fait l'Italie, le marché le plus important de Twins Apple et Lyoma. Nous avons fait un produit fini avec les problèmes qui existent autour d'un produit fini. L'île Lyoma, alhamdoulilah, donc on a une marque qui s'impose, il y a une autorité. Il y a la marque Kemia, qui est présente sur le marché nord-américain, au Canada, en Amérique, sur le marché européen, France, Italie, Belgique, Allemagne, Suisse, en Australie ou dans les pays du Golfe. Donc le secteur de la tomate séchée, c'est un secteur qui a un effort كبير. Effort كبير parce que les avantages qu'on a en Tunis برشا. منها la matière première qui est le point le plus important, le goût de la matière première, la couleur de la tomate séchée, la disponibilité et la main d'œuvre. Bien sûr, la main d'œuvre, les lyomolettes. Main d'œuvre qualifiée, fait tomate séchée. L'exportation de tomate séchée, malheureusement entre guillemets, le colha mecha, la majorité mtaha mecha brak. تجارب صارت مع برشا شركات وبرشا خيان توانسة اللي قاعدين يحاولوا بشي يصدروا في التوماتي شي كونديسيوني. L'exemple de Kemia, ou femme Barcha, beaucoup d'exemples green. L'Ium, la marque Kemia, t'tmenna t'koun hi fi fitaliat al-cyber, on va dire, ou l'thnia li machine fiha, ou t'echou ma'aha les producteurs tunisiens, t'aounhom ala halal mashakelhom, t'aounhom bittajerba li khdetha fil meydan hadaya, ou hakek nnejmou nqadmou, nnejmou nعطيو soura للبلاد مزيانه. وطماطم بنينة اللي تشرف بلادنا.